L'association Ciel Bleu a vu le jour il y a 25 ans. On accompagne des personnes en fragilité visible ou invisible, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des personnes atteintes de maladies chroniques, avec essentiellement un outil, l'activité physique, qu'on va adapter selon leur envie, leur capacité et leurs besoins pour leur redonner le sourire, qui est le logo de notre association. On intervient historiquement en direction de personnes âgées plutôt dépendantes en établissement où le principe c'est les accompagner, travailler sur les capacités restantes et progresser parce que quel que soit son niveau de perte d'autonomie, de dépendance, on peut regagner des capacités et quand c'est bon pour son corps, c'est bon pour le moral et donc c'est bon pour la personne en tant que telle. L'action qu'on pourrait préconiser, c'est que le budget de la sécurité sociale soit pas annualisé, mais pluriannuel. Et dans ce cadre-là, la prévention, c'est comme un investissement dans une entreprise, dans la vie. Les résultats ne sont pas de jour en jour, il faut du temps. Si ce budget de la sécurité sociale était décloisonné, ce serait vraiment génial. Et là, on pourrait mettre en place des vrais programmes de prévention pluriannuels avec des indicateurs qualitatifs, quantitatifs et économiques. Et tout le monde verrait que la prévention, c'est un cercle vertueux, ça crée de l'emploi au niveau local, ça change la vie des gens et ça permet de faire des économies au niveau des pouvoirs publics. Et il paraît qu'on en a un peu besoin.